Voici la planète Evanie, le monde où je suis né. Selon mon père, c'était jadis un lieu où il faisait bon vivre. Le cœur de ses habitants était à l'image de leur terre, riche et généreux. Il m'en parlait souvent avec nostalgie en me disant combien les gens prenaient soin les uns des autres et respectaient la nature. Il disait que ce n'est plus comme ça de nos jours, que tout a changé depuis la guerre contre Osgard. Evanie a gagné la guerre, mais quelque chose s'est produit qui a affecté ses habitants. Les uns après les autres, ils ont perdu goût à la vie. Ils restaient debout, bras ballants, le regard vide. Ils travaillaient comme des automates, épuisant la terre pour transporter ses ressources loin de leur monde. Petit, je vivais dans la peur des gens d'Evanie. Je n'osais pas quitter mes parents d'une semelle. Eux cherchaient une explication à tous ces changements et... un jour, je me suis réveillé et mes parents avaient disparu. Cole, c'est toi! Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Bonjour! Tu es venu aussi à cause du signal de détresse? Le signal de détresse? Non. Mais peut-être pouvez-vous m'aider. Je viens d'Evanie, vous en avez entendu parler? Non, désolé, je ne crois pas. Eh bien, quelque chose est arrivé là-bas. Les gens sont tous hypnotisés, peut-être qu'ils ont eu un lavage de cerveau, je n'en sais rien. Mais il faut que je les aide. C'est terrible. D'accord. Dis-moi ce qui est arrivé. Pourquoi ces gens sont-ils devenus ainsi? Je ne sais pas. Cela a commencé il y a des années, après l'invasion d'Osgard. Osgard ? Cela me rappelle l'Empire de Balial. Oui, Balial. C'est le nom que lui donnait le journal d'Atera. Vous en avez entendu parler ? Oui, on leur doit une des époques les plus tragiques de notre histoire. Il y a longtemps, les Balial étaient les dictateurs de la plupart de la galaxie. Leur empire s'est propagé comme un cancer, écrasant soleil après soleil sur leur chemin. Après des années d'oppression, une alliance s'est organisée contre eux. C'est ce qu'on appelle l'ancienne guerre. Ils ont été battus et sont retournés dans leur monde. Ce fut une formidable victoire. La légende dit que c'est le maître du royaume du lointain, lui-même, qui a aidé l'alliance. Je me suis souvent demandé si les Balial allaient revenir. Comme je le dis dans mes cours, lorsqu'un empire a eu le pouvoir, il cherchera toujours à le reprendre. Vous êtes professeur ? Oui, je m'appelle Naou, professeur d'archéologie surtout, mais aussi d'histoire. J'étais juste en train de rentrer chez moi lorsque mon vaisseau a capté un signal de détresse. Après avoir atterri, j'ai vérifié cette espèce de sphère là-bas, puisque le signal venait de là, mais personne n'a répondu. Le signal de détresse. Vous m'avez dit que c'était quoi le nom de cet endroit ? Gorsena, ou Geshon, selon l'endroit d'où vous venez dans la galaxie. Alors c'est bien ici l'avant-poste. Et vous n'avez vu personne depuis votre arrivée ? Pas âme qui vive. Je crois pas. Une fille me cherchait sur Evanie. Elle venait d'Arconie. Elle commençait à peine à me parler quand deux soldats ont surgi de nulle part et l'ont capturée. Et puis ils se sont tous volatilisés. Et d'après ce que j'ai lu dans son journal, ces soldats étaient sans doute de Balial. Naou, qu'est-ce qu'on va faire ?
Eh bien, il est hors de question que j'aille à Balliol, si c'est à quoi tu penses. Mais à propos, il y avait ce peuple qui, il y a longtemps, a permis la victoire de l'ancienne guerre. On les appelait les Merari. Et à cette époque, ils habitaient Meriba, un des centres de résistance les plus importants contre les Balliol. La qualité de leur service secret pendant la guerre est devenue une légende. Et si quelqu'un peut t'aider, ce sont eux. Alors, on ferait mieux de partir tout de suite. Meriba est loin. Et si les Balliol sont vraiment de retour, il n'y a pas de temps à perdre. Merci du voyage, Naou. Je vous suis vraiment reconnaissant de votre aide. Ce fut un plaisir, Cole. Je souhaite de tout cœur que tu réussisses. Une fois de retour à Yui, je vais essayer de me renseigner sur les derniers mouvements des Balliol. Bienvenue à Meriba. Votre numéro de vol est le 77 Tau. Votre vaisseau a été vérifié et un défaut mécanique en violation du code de sécurité 3001, section 8, a été détecté. Votre véhicule est immobilisé jusqu'à réparation. Vous êtes prié de vous rendre à la capitainerie au rez-de-chaussée pour avoir de plus amples informations. Oh non. Eh bien, Cole, il semble que je vais rester plus longtemps que je ne pensais. Ne t'en fais pas. Je vais aller voir ce que je peux faire. Peut-être leur faire miroiter de l'argent sous le nez suffira. Si cela ne marche pas, on va peut-être se revoir bientôt. Bonne chance. Au revoir, Naou.
Salut. Bonjour, comment puis-je vous aider? Je me demandais ce que vous vendiez ici. On est le magasin du port spatial. Tout ce dont vous avez besoin pour votre vaisseau, soit on l'a, soit on sait où le trouver pour vous. Merci, je m'en souviendrai. À propos, c'est quoi cette machine dans votre vitrine? C'est un jetpack. On les loue 200 crits par jour. C'est la meilleure façon de se déplacer. Oh, je vois. Je n'ai pas d'argent. Mais dès que je saurai où sont les Merari, il faudra que je voyage. Les Merari? C'est un nom que je n'ai pas entendu depuis longtemps. Désolé de vous décevoir, l'ami, mais cela fait longtemps qu'ils sont partis. Autant que je sache, personne ne les a vus depuis l'ancienne guerre et l'époque de la Restauration. Il paraît qu'un vieux Merari est resté vivant en plein désert lorsqu'ils ont tous disparu. Et d'après ce que je sais, c'était le dernier survivant. Mais c'était il y a très très longtemps. Tant pis. En tous les cas, merci pour votre aide. Salut, Buck. Est-ce qu'il vous reste des grains de dire? Oui, Dark. J'en reçois tous les jours en prévision pour la semaine d'après. Les voilà. Oui, monsieur. Que désirez-vous? J'ai juste des grains de dire bien juteux, directement du fournisseur, cueillis aujourd'hui. Hey, ils ont l'air bons. C'est étonnant la manière dont ils vous sont livrés. Ouais, par un bioport. Les Nelly l'utilisent pour m'envoyer instantanément les produits de leur champ. Et grâce à ça, vous ne trouverez jamais de la nourriture aussi fraîche que dans le magasin de Tark. Car nos produits ne passent pas des jours entiers dans une caisse à être écrasés et à s'abîmer. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut en particulier? En fait, je ne suis pas là pour faire mon marché. Je cherche un peuple appelé les Merari. Cela vous dit-il quelque chose? Alors là, bonne chance. Bien sûr que j'ai entendu parler d'eux. Les Merari vivaient ici, bien avant l'ancienne guerre, il y a des siècles. On n'a pas vu de Merari depuis lors, mais tu verras des vestiges de leur civilisation, un peu partout. Ils ont construit et fait fonctionner le port spatial avant qu'il ne soit bombardé pendant la guerre, puis envahi par les eaux. Oh, Buck m'a aussi dit qu'il utilisait un portail que les Merari auraient jadis construit pour l'offrir aux Nelly. Vraiment? Peut-être que ce Buck pourra m'en dire plus alors. Peut-être bien. Les Nelly adorent les histoires et les traditions. Même si Buck ne sait rien, il va prétendre le contraire et te saouler de paroles. Où habite-t-il? C'est loin d'ici? Les Nelly vivent dans des arbres monolithiques en plein désert, à peu près à 5 jours de voyage d'ici. Mais c'est de la folie d'y aller maintenant dans cette chaleur en plein été. Oh, d'accord. Eh bien, merci pour votre aide. Pas de problème. Salut, je m'appelle Cole. Comment t'appelles-tu? Cavan. Et lui, c'est mon père. Il travaille ici. Tu veux jouer avec moi? D'accord. C'est quoi ton jeu? C'est Merrick le guerrier. C'est facile à jouer. Tu jettes juste les dés. Si tu as un rouge, tu bouges d'une case. Un vert, tu bouges de 2 cases. Et blanc, de 3 cases. Le premier qui est arrivé a gagné. Tu commences, Cole. D'accord, on y va. C'est quoi ces objets sur l'écran? Ce sont les cadeaux que Merrick a reçus chaque fois qu'il a gagné une bataille. Il y a longtemps, Merrick s'est battu contre les méchants. Il les a vaincus et les a chassés d'un tas de pays. Les gens étaient heureux parce qu'ils n'aimaient pas les méchants. Alors chaque pays lui a donné un trésor. Cette grosse pierre précieuse a été le premier trésor qu'il a eu. Après, il les a gagnés un par un, comme sur l'écran. Tu as gagné, Cole. Merci pour ce jeu, Cavan. C'était marrant.
Salut, Naou. Comment ça s'est passé à la capitainerie? Très bien, Cole. Je leur ai donné mon petit cadeau et comme par magie, il n'y avait plus de problème. Mais alors, pourquoi êtes-vous encore là? Eh bien, je suis retourné au faisceau après cet ennui administratif et on m'avait volé mes réacteurs latéraux. Maintenant, je suis encore coincé jusqu'à ce que je puisse en faire installer des nouveaux. On dit que le crime ne paie pas. Ceci dit, si tu veux boire quelque chose, n'hésite pas à te servir. C'est moi qui offre la tournée. Merci. Ça va? Non, je crois que ma jambe est cassée et je ne peux pas bouger mon bras. Qu'est-ce qui est arrivé? J'étais juste en train de m'occuper de la commande de mon frère quand toute la pile m'est tombée dessus. Ah, où est ce foutu Medbot? Ah, on ne le trouve jamais quand on en a besoin. Je vais essayer de vous le trouver. Merci. Docteur Jakar, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Est-ce que c'est le Medbot? Je m'appelle Cole et il y a un homme blessé au port spatial. Il a besoin du Medbot, mais je crois qu'il est en panne. Oh, laisse-moi voir. Il semble que l'arbre moteur ne bouge pas. Un instant. Est-ce que les roues bougent maintenant? Non. D'accord, ça doit être un problème mécanique. À propos, de quoi souffre cet homme, Cole? Il m'a dit qu'il avait mal au bras et à la jambe. Peut-être qu'ils sont cassés. Est-ce que tu peux me rendre service, Cole? Est-ce que tu peux amener ce micro-injecteur au patient pour moi? C'est dans l'écoutille, au-dessus de l'arbre moteur. Je vais l'ouvrir pour toi. Voilà, tu l'as? Oui. Ok, c'est très facile à injecter. Presse-le une seule fois sur la peau du patient et c'est fait. Dis au patient de rester tranquille quelques temps après l'injection, jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Merci, docteur Jakar. Je vais le faire. Merci, l'ami. Écoute, si tu trouves ma cargaison quelque part, dis-le-moi. Elle a une bande orange au milieu. Je pense qu'elle a dû tomber de la plateforme. Et si je l'ai perdue, mon frère va me tuer. D'accord, je regarderai. Restez tranquille jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que votre frère travaille au port spatial? Non, mais mon frère devait m'apporter du port spatial mon nouveau réservoir de combustible. Pourquoi? C'est ça? Oui, votre frère s'est blessé et n'a pas pu vous l'apporter lui-même. Mais il va bien. J'ai utilisé le Medbot pour lui faire une micro-injection et depuis il se sent beaucoup mieux. Vraiment? Eh bien merci l'étranger. Merci d'avoir été si gentil avec ta mort. Il lui arrive toujours des pépins. Et merci d'avoir fait la livraison. Est-ce que je peux faire quelque chose pour te remercier? J'aimerais beaucoup vous emprunter un de vos jetpacks pour un moment. C'est d'accord. Prends ce jet et garde-le autant que tu le veux. C'est gratuit et on est quitte. Il y a juste deux choses à savoir. Premièrement, tu dois intégrer les bonnes coordonnées de ta destination avant de décoller. Et deuxièmement, le moteur ne démarre pas s'il détecte un combustible quelconque à proximité. C'est pour ça que les vieilles zones d'atterrissage de la baie du port spatial sont idéales pour atterrir. Amuse-toi bien. Hé, tu t'appelles comment, l'ami? Cole. Ok, régale-toi, Cole.
Salut. J'ai vu votre vaisseau au port spatial. Tout va bien? Bien sûr. J'adore être assis dans le désert le jour le plus chaud de l'été et plonger mon bras dans un moteur de jetpack brûlant. Tout va bien. Oh. Oh, désolé, gamin. Je suis juste de mauvaise humeur. Cette cochonnerie est dans un sale état et je n'arrive pas à le faire marcher. Je n'ai pas les 2000 crits pour le remplacer. Et je te parle que du prix d'occasion, hein, pas du prix d'un œuf. Wow, attention, regarde derrière toi, gamin. C'est un Jackal. Leur venin est si puissant qu'il te met KO rien qu'en touchant ta peau. Merci de m'avoir prévenu, monsieur. Je m'appelle Roy. Et merci, tu es gentil de venir m'aider. Mais tu ne peux rien faire, à moins que tu saches comment réparer un mixeur de combustible. Un mixeur de combustible? Hé! Je sais où en trouver un. Ouais, et qui va le payer? Toi, peut-être? Est-ce qu'il les donne aujourd'hui? Ah, merci quand même, gamin. Je vais juste essayer de réparer celui-là. Il faut que je ramène tout ce minerai à la raffinerie ou je perds mon contrat. Oh, d'accord. Eh bien, bonne chance, Roy. Merci. À bientôt, gamin. Hey, bonjour. Bien, bien. Un visiteur. Ça fait du bien de te voir. On n'a pas souvent de visite ici. C'est quoi ton nom? Cole. Salut, Cole. Et bienvenue dans le pays de Nelly. Je m'appelle Bock. Oh, c'est dommage que tu ne sois pas venu plus tôt. Tu as juste raté le moment où on raconte le conte de Saroop. On se réunit tous pour cela le premier jour après la pleine lune d'été. Si tu veux, je peux te le raconter. Peut-être pas tout de suite, Bock. Il faut vraiment que je te parle. J'étais dans la boutique de Tark quand j'ai vu des fruits arriver par ton portail. Ah oui, alors tu as rencontré mon ami Tark. Oh,
c'est vraiment un businessman. Il n'a jamais de temps pour les comptes. Oui, mais il m'a dit que ton portail a été construit par les Merari. Oh oui, c'est vrai. Cela fait des générations qu'il est dans ma famille. Mon arrière-arrière-grand-père était un ami de Merrick, le vieux Merrick du désert. Et c'est lui qui nous l'a donné en l'honneur de la restauration après l'ancienne guerre. Merrick était l'un des inventeurs de ces transporteurs. On les appelle des bioports parce qu'ils utilisent des créatures si petites que tu ne peux même pas les voir. Tu veux dire des sortes de microbes ? Exactement. Le bioport est couvert de ces créatures. Si elles sont bien nourries et sont heureuses, tu peux faire passer des tas de choses très très loin avec le bioport. Étrange. Comment les nourris-tu ? On m'a dit que l'habitat naturel de ces microbes sont les grottes. C'est là qu'ils ont tous les éléments nutritifs dont ils ont besoin. Les sels minéraux, des rochers et les organismes des eaux naturelles. Mais les Merari ont trouvé qu'ils dépendent aussi d'une certaine algue. Alors, on a cultivé cette algue et on en a mis partout sur les parois du bioport. Sinon, dans les petits trous, rien ne pourrait passer. Et puis, on a fait en sorte qu'il n'y ait pas de lumière directe trop longtemps, non? Cela les tue. Bien, merci pour ces renseignements, Bok. Je crois que je dois te laisser travailler. D'accord, Cole. Profite bien de ton séjour. Si tu viens demain, on racontera l'histoire du Yamax qui avait faim et des trois noix craques. Ok, j'essaierai de venir. Au revoir. Au revoir.
Bonjour. Désolé de vous déranger. Non, au contraire. Reste, tu es le bienvenu. Je m'appelle Kalina. Mon nom est Cole. Qu'est-ce que vous faites ? Je récupère les feuilles mortes des arbres de Nelly et je les recycle. Elles servent à faire des toits, des cordes. On peut les bouillir pour en faire des médicaments ou les sécher pour avoir de l'herbe sèche, pour ne citer que quelques exemples. Alors je suppose que vous n'en manquez jamais. Ces feuilles sont énormes. Je n'ai jamais vu d'arbres aussi gigantesques. Les arbres de Nelly sont vraiment des merveilles. Mais tu dois savoir qu'ils n'ont jamais été aussi grands. Dans le passé, ils avaient la même taille que les arbres de mon champ. Mais les Meriba se sont fait attaquer pendant l'ancienne guerre et le monde de Nelly a été dévasté. On dit que même l'herbe avait disparu et c'est resté comme cela jusqu'à ce que le cadeau de l'eau ruisselle à nouveau. Alors la terre a repris vie et les arbres de Nelly ont grandi jusqu'à leur taille actuelle. Qu'est-ce que vous voulez dire par le cadeau de l'eau ? Eh bien, la légende dit que le célèbre guerrier de Merari, Merik, a joué un rôle primordial dans la victoire de l'ancienne guerre et que c'est pour cela qu'il reçut un merveilleux cadeau. On l'appelle le cadeau de l'eau. C'est une fontaine d'eau miraculeuse, et on dit que sa source vient d'un autre royaume. Waouh ! Et cette fontaine coule par ici ? C'est pour cela que les arbres sont si grands ? Eh bien, personne ne sait où se trouve la fontaine. Cela reste un mystère. Mais j'ai entendu dire qu'il y a un endroit en haut de l'horizon où l'eau apparaît tout à coup, mystérieusement, en plein air, et se mélange avec l'eau de la rivière. Peut-être qu'il s'agit de la fontaine. Oh, je vois. Et les Merari, vous savez ce qui leur est arrivé après l'ancienne guerre ? Certains disent qu'ils sont tous morts. D'autres disent qu'après la guerre, ils ont trouvé refuge dans une planète secrète, peut-être au sommet des montagnes ou sous la mer. C'est incroyable que tout un peuple puisse disparaître ainsi. Bon, merci de votre aide, Kalina. De rien, Cole. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le veux. Une noix craque. Oh, les Yamax adorent ces noix. Est-ce que vous savez où je pourrais en trouver ? D'habitude, j'en ai plein, mais ce n'est plus la saison maintenant. D'accord. Merci, Bok. Thank you.
Fais attention aux Jaggles. Leur venin est si puissant qu'il te met KO rien qu'en touchant ta peau. Salut, Roy. Est-ce que je peux vous emprunter cet outil? Bien sûr, prends-le.
Bienvenue, Cole. N'aie pas peur. Tu es en sécurité ici. On a repéré ton vaisseau et on t'a amené ici. Sinon, tu ne nous aurais jamais trouvés. Qui êtes-vous, monsieur, et comment savez-vous mon nom ? Pardonne-nous notre familiarité, mais nous te suivons depuis ton arrivée sur Meriba. Nous ne connaissons pas que ton nom. Nous savons aussi que tu es bon, que tu aides les personnes qui en ont besoin, et que tu es pressé de trouver quelque chose. Alors, en retour, nous aimerions t'aider. Vraiment ? Et vous êtes ? Nous sommes les Merari, et je m'appelle Guetri. Enfin, je vous cherche depuis si longtemps. Alors c'est ici l'endroit secret où vous vous êtes réfugié après l'ancienne guerre. Ce que les gens ignorent, c'est que nous avons toujours vécu sous la mer. Et puis, il y a très longtemps, on a commencé à vivre sur la terre. On a créé la plupart des villes de Meriba, ainsi que les ports spatiaux, afin d'effectuer de grandes routes commerciales. Quand l'Empire de Balial s'est créé, ils ont voulu envahir toute la galaxie. Et nous étions donc un des premiers systèmes qu'ils ont pris pour cible. La lutte qui s'en est suivie s'appelle maintenant l'Ancienne Guerre. Mais pourquoi êtes-vous revenu ici après la guerre ? La terre de Meriba a été dévastée après tous ces combats. Nos villes et nos champs n'étaient que pierre et sable. Même le climat avait changé. Alors, on a décidé de laisser les terres encore habitables à d'autres peuples, pour qu'ils puissent survivre. Et d'ici, nous pouvions aussi contrôler la restauration de Meriba, parce que c'est ici que Merik reçut le cadeau du maître du royaume du lointain. Le royaume du lointain ? Où est-ce ? C'est un endroit au-delà du connu, l'endroit où tout a commencé. Waouh ! Maintenant, Cole, revenons au vif du sujet, car il se passe des choses très graves. Et je crois que tu as des informations qui peuvent nous aider. Dis-moi, qu'est-il arrivé à ton peuple pour que tu viennes nous chercher jusqu'ici ? Eh bien, mon père a vaincu Osgar, tout le monde était heureux. Mais après, il y a eu comme une maladie qui s'est propagée, paralysant le peuple et le plongeant dans une sorte de transe. Et personne n'en est jamais sorti. C'est comme s'ils étaient des morts-vivants. Et tu n'as pas été atteint. C'est vrai. Ma famille est la seule à ne pas avoir été touchée. Et où se trouve ton monde, Cole ? C'est Evani. Et il se situe dans le quatrième cadran du secteur de Maradine. J'ai appris cela en... Oh ! Je pense à quelque chose. Juste avant de quitter Evani, j'ai vu des soldats capturer une fille arconienne qui s'appelle Atera. Et puis ils ont tous disparu. Il y a des Arconiens sur Evani ? Non. Elle venait d'arriver et me recherchait. Ce qui est arrivé à mon peuple est arrivé à beaucoup de colons arconiens. Oui, j'ai entendu parler de ces colons. Et ce que tu me dis confirme ce que nous craignions. Les Baliales réapparaissent au centre de la galaxie. L'Empire est en train de ressurgir, mais cette fois, c'est comme s'il revenait de l'enfer et avait fait un pacte avec le Destructeur lui-même, en inventant une arme qui peut capturer l'âme des gens. Mais ne désespère pas, Cole. Aussi sûr que le Maître est vivant, nous trouverons une solution pour nous et pour ton peuple. Alors, que faut-il faire ? D'abord, on doit avoir plus d'informations sur l'arme des Baliales. Un de nos hommes vient de s'évader d'un de leurs mondes pénitentiaires où il pense les avoir vus se servir de cette arme. Je suis sûr qu'il a également mentionné une fille arconienne. Alors peut-être devrais-tu lui parler. Il s'appelle Folkrin. Il est à l'étage dans la pièce du bioport. D'accord, j'y vais. Merci, Guetri. Vous devez être Folkrin. Pourrais-je vous parler un instant ?
Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Je m'appelle Cole. Guthrie m'a dit que vous vous étiez échappé d'une des prisons des Balial et que vous avez rencontré là-bas une fille d'Arconi. Est-ce qu'elle s'appelait Atera? Oui, Cole, c'est ça. Ils l'ont jeté dans ma cellule bien après que je sois capturé. On a eu l'occasion de s'enfuir, alors je lui ai proposé de venir avec moi jusqu'ici. Mais elle a insisté pour rester, afin de recueillir plus d'informations sur ce que les Balial faisaient aux gens là-bas. Je lui ai dit que je laisserais le bioport ouvert pour qu'elle puisse venir ici dès qu'elle serait prête, mais elle n'est jamais venue. Je vois. C'est une de tes amies? Oui. En fait, je n'ai pas eu le temps de lui parler, mais on essayait tous les deux de savoir ce que les Balial avaient fait à nos peuples. C'est exactement ce que je voulais découvrir en allant dans le monde des prisons. Mais ils m'ont capturé avant que je n'obtienne des renseignements qui puissent être utiles. Il y avait beaucoup de prisonniers qui avaient les mêmes étranges symptômes que ceux des Arconiens. Et les Balial amenaient constamment des nouveaux convois de prisonniers. C'est ça le bioport que vous gardez ouvert pour Atera? Oui, mais pour éviter qu'ils le détectent, j'ai dû le fermer au bout d'un certain temps. Est-ce que vous pourrez le rouvrir bientôt? Oui, oui, très bientôt. Bien. Donc c'est le même genre de bioport que les Nelly utilisent mais en plus gros. C'est ça, on peut créer des bioports de toute taille, assez petits pour faire passer de la nourriture ou assez larges pour faire passer des vaisseaux. Et c'est un Merari qui les a inventés. Il s'appelle Gairin. Correct. Gairin ne s'est pas réfugié sous la mer après l'ancienne guerre, mais a préféré rester au sol. Nous lui sommes très reconnaissants, car c'est lui qui a eu la sagesse de comprendre les propriétés spéciales des organismes saculis que l'on utilise dans les bioports. Où peut-on trouver ces organismes? Je suis désolé, Cole, mais cela doit être tenu secret pour des raisons de sécurité. Cette technologie a énormément aidé l'Alliance à repousser les Balians jusque dans leur monde. J'aurais préféré qu'ils n'en partent jamais, et qu'ils ne fassent pas de mal à Evani. Est-ce que tu veux voir ton monde, Cole? Ah, j'aimerais bien. Dis-moi sa position, et je vais la traduire en coordonnées que le bioport accepte. Ok. C'est la deuxième planète qui tourne autour d'Exargama, dans le quatrième cadran du secteur de Maradin. Bien. Juste un instant, je place ton appel. C'est un monde magnifique. Je suis désolé qu'il y ait eu tellement de catastrophes là-bas. Moi aussi. Il faut faire quelque chose pour sauver Evani. Volkrin, pouvez-vous rouvrir le bioport qui mène aux prisons des Balial? C'est dangereux d'aller là-bas, Cole. Je sais, mais c'est la seule chose que je puisse faire pour l'instant. D'accord, mais je ne peux pas laisser ouvert le bioport très longtemps. Je comprends. Je laisse le bioport ouvert pour toi. Merci. Atera, c'est moi! Cole! Comment m'as-tu trouvé? Je te le dirai plus tard. D'abord, il faut que l'on s'en aille d'ici. Comment avez-vous ouvert la porte lorsque vous vous êtes enfui avec Volkrin le Merari? Tu es au courant de ça? Oui, je suis allé jusqu'à leur capitale. Oh, eh bien, je n'en suis pas sûre. Il dit une prière ou fait quelque chose comme ça, et après, quand le garde nous a amené la nourriture, la porte s'est mal refermée et on a pu sortir. Cole, j'ai tellement de choses à te dire. Pourquoi je suis partie à ta recherche? Je sais pourquoi. J'ai lu ton journal. Ah, quel soulagement. J'ai cru qu'il l'avait pris. Et la clé? Je l'ai aussi. Je l'ai utilisée pour aller à l'avant-poste. Chut! Le garde arrive. Vite, cache-toi! En train de me sauver, j'ai entendu les Balial parler de ton monde. Ils disaient que le processus s'était bien déroulé et que ton peuple était suffisamment sous leur contrôle. Ils veulent envahir Evani et se servir de ton peuple comme d'une armée contre les autres mondes. Il faut faire quelque chose. Est-ce que tu sais ce qu'ils utilisent pour contrôler les gens? Quand j'étais libre, je les ai vus ligoter un prisonnier sur une chaise dans une espèce de salle d'interrogatoire.
Ils ont activé un rayon et l'ont dirigé sur sa tête. Mais cela n'a pas semblé l'affecter. Il n'avait même pas l'air de le remarquer et continuait à essayer de convaincre les gardes de le laisser partir. Mais ils ont amené une cage sur un chariot et lui ont montré la porte de la cage. Je suis sûre que la cage était vide, mais quand ils l'ont ouverte, la porte a fait un grand bruit et immédiatement l'homme a hurlé. Et tout était fini. À partir de ce moment, le prisonnier avait les yeux dans le vague, comme les colons d'Arconie. Les gardes l'ont détaché et l'ont laissé partir. C'est bizarre. J'ai vraiment peur, Cole. J'ai peur qu'il m'emmène dans cette pièce et que je ne sois plus jamais la même. Courage, Atera. On va m'aider à trouver un moyen de te libérer. D'accord. S'il te plaît, dépêche-toi. Non, j'arrive trop tard. Allez, il faut que je te ramène à la cité des Merari. Tu l'as trouvé.
Emmène-la tout de suite à l'étage, Cole. Je vais dire à Guetry de vous y rejoindre. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau de la fontaine de Merrick. Cela pourra aider à Terra. Terra, ça va? Cole? Qu'est-ce qui est arrivé? Hé, hey, Guetry, ça a marché, elle a repris conscience. Comment te sens-tu, Terra? À part un mal de tête, je me sens bien mieux. J'avais la sensation que des cordes très serrées me ligotaient. Je ne voyais rien, je n'arrivais pas à respirer ni à bouger. Et puis tout d'un coup, les cordes ont disparu et je me retrouve là. Où sommes-nous? Nous sommes au palais Merari. Je te présente Guetry. Il t'a donné à boire une eau d'un genre unique, et tu t'es réveillé. Merci, Guetry, de m'avoir sauvé de ce cauchemar. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Terra? Ils m'ont emmené dans cette salle. J'étais terrifiée. Ils m'ont ligotée à la chaise, et puis ils ont amené une cage vide. Quelque chose m'a attaquée, et puis... C'est comme si tu suffoquais à en mourir, mais tout en restant vivant. Tu ne peux pas crier, tu ne peux rien faire. Bon, tu vas bien maintenant, et c'est le plus important. Reste ici et repose-toi, Terra. Je reviendrai plus tard voir si tout va bien. Thank you.
Excusez-moi, mais qui vit dans cette maison là-bas? C'est là où vit le docteur Jacquard. Merci. Hé, est-ce que vous essayez de pêcher un de ces longs poissons bleus si beaux que j'ai vus sur l'autre rive? Bien sûr que non. On ne doit jamais les toucher, ou on reçoit une grosse décharge. On les appelle des anguilles tarou. Elles sont très agressives. Et puis, elles gardent très bien leur territoire. Elles attaquent immédiatement toute anguille qui chasse sur leur territoire. Merci de m'avoir prévenu. Bonjour, docteur Jacquard. Oh, bonjour mon grand. C'est bien toi, Cole. Comme c'est gentil de venir me voir. Merci encore pour m'avoir aidé avec ce blessé au port spatial. C'était rien. Elle est vraiment très jolie, votre maison, docteur Jacquard. C'est quoi tous ces objets sur les murs et dans les cases? Oh, ils sont toute mon inspiration, Cole. Je collectionne toutes sortes de vieilles pièces étonnantes qui appartiennent à une technologie passée. Ce sont des exemples merveilleux d'ingéniosité et de travail qui m'inspirent pour fabriquer mes robots. Oh, à propos de robots, j'ai trouvé un de vos vaisseaux poissons en panne sur une plage déserte. Son moteur ne marchait plus, mais j'ai réussi à le remettre en marche. Très bien. Celui-là ne me donne que des soucis, et plus personne ne veut le louer. Un jour, il faudra bien que j'aille le réparer. Est-ce que je peux continuer à m'en servir d'ici là? Bien sûr, Cole. Ne t'en prive pas. Merci. Je vais devoir y aller, mais ça m'a fait plaisir de parler avec vous. À moi aussi. Fais attention à toi. Eh bien, qu'est-ce que nous avons ici? Cela a l'air très intéressant, Cole. Où est-ce que tu l'as trouvé? Au port spatial. Cela a l'air très vieux, mais je voulais vous le montrer. J'aimerais l'examiner, Cole. Est-ce que je peux te l'acheter? C'est rien, docteur Jacquard. Je vous le donne. Non, j'insiste. Tiens. Prends ces crits. Peut-être qu'ils vont être utiles. Merci.
Je voudrais acheter un mixeur de combustible pour transporter des minerais. D'accord. C'est sur l'étagère derrière toi. Il est à toi. Merci. Hey Roy, j'ai réussi à avoir un nouveau mixeur de combustible. Quoi? C'est super. Combien je te dois? Rien, je vous l'offre. Cool, je t'en dois une bonne en retour, gamin. Content de vous avoir aidé. Au revoir, Roy. Fais attention aux Jaggles. Leur venin est si puissant qu'il te met KO rien qu'en touchant ta peau. Roy, j'ai besoin de trouver des noix crack comme celle-ci. Vous savez où je pourrais en trouver? Bien sûr! On en trouve tout autour de la centrale des mines à Mondouli. Quand j'aurai réparé ce mixeur de combustible, j'irai faire un vol là-bas et je t'en trouverai. Cela me rendrait vraiment service. Aucun problème, gamin. Hé, attends une minute, j'y pense. Peut-être que j'en ai une boîte dans ma réserve. Attends. Ouais, les voilà! Merci, Roy. Bienvenue, Cole. N'aie pas peur, tu es en sécurité ici. On a repéré ton vaisseau et on t'a amené ici, sinon tu ne nous aurais jamais trouvés. Vous connaissez mon nom? Oui, on m'a dit que tu allais venir. Quand je toucherai ton front, tu recevras le cadeau du maître. Tu es prêt? Il ne s'est rien passé. Tu verras. Au revoir, Cole. Thank you.
Qu'est-ce que c'est ? Beaucoup, Cole. En sauvant ton peuple, tu as découvert que l'eau qui donne vie peut être une arme contre les créatures du royaume inférieur. Les Baléales sont sans défense contre cette arme. On peut maintenant l'utiliser pour sauver les peuples qui sont captifs, en commençant par les Arconiens. Est-ce que vous croyez que les Baléales vont retourner dans leur monde, maintenant que nous pouvons détruire leur arme secrète ? J'en suis sûr. Ils utilisaient cette arme pour transformer les peuples prisonniers en armées de destruction. Maintenant qu'ils ne peuvent plus contrôler les esprits de tous ces peuples, les plans d'invasion des Baléales sont ruinés. Peut-être qu'un jour, ils vont recommencer parce que c'est leur nature de conquérir et de détruire, mais pour l'instant, nous sommes en sécurité. Cole, je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu as fait. Quand tout sera rétabli sur Arconia, j'aimerais te rendre visite en Evanie et t'aider à reconstruire ce monde pour qu'il soit aussi beau qu'il l'était avant l'invasion des Baléales. Cela me ferait vraiment plaisir, Atera. Il y a beaucoup à faire et je vais avoir besoin de ton aide. Bon, maintenant, je suis prêt à retourner chez moi, Guetry. Au revoir, Cole. La paix du Maître soit avec toi tout au long de ta vie. Yeah.